Test des perches, en particulier un test pour Jérôme qui s'intéresse à la 12 mètres ou un peu plus et qui se demandait si la T700 en 0,9 mm était suffisante. Alors là, je l'ai déployé. Je vais déplacer la perche dans le vide déjà pour montrer la flexibilité. Voilà ce que ça donne. Pas si on voit bien, peut-être qu'il est... Elle est dans le vide, il n'a aucun support. Voilà ce que ça donne pour une flexibilité. Donc je peux la mettre contre cet arbre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis nettoyer l'arbre un peu, là, ça va bouger comme ça. Non, je prends un peu d'angle pour appuyer un peu. Et voilà. Alors voilà, quand elle tombe, voilà ce que ça donne quand elle tombe. Elle va tomber sur le côté. Voilà. Elle atterrit sur l'autre branche. Je la remonte. Je la remets sur la bonne branche. Il me semble que si c'était appuyé contre un mur, il n'y aurait pas le moindre souci. En même temps, honnêtement, je n'ai jamais nettoyé un mur avec une perche de 12 mètres. Donc j'essaie de montrer. Alors sur le fond du ciel pour qu'on voit un peu plus la flexibilité. Voilà. Bon, je le fais sans crainte que la perche casse la gueule ou se rompe, hein. Il n'y a vraiment pas de risque là. Voilà. Peut-être qu'il faudrait comparer avec quelqu'un qui a. Peut-être que Jérôme a une expérience d'autres perches. Voilà. Je reviens sur le tronc. Voilà. Et là, j'essaie de nettoyer comme ça. Bon, voilà, j'ai du mal à me faire une opinion. C'est pas totalement rigide. En même temps, ça me paraît quand même pas si mal que ça. L'alternative étant de passer à la perche de 1,2 mm d'épaisseur, qui là évidemment sera un bon cran plus rigide de haut en bas. C'est ce qu'on constatera dans peut-être une semaine quand on recevra la perche qui est en cours de fabrication. Bon ben voilà. Voilà Jérôme, j'ai fait le test, j'ai voulu aller jusqu'au bout. En même temps, ça vaut peut-être le coup d'investir un peu plus dans la perche de 1,2 mm, c'est peut-être effectivement une bonne idée. Allez, fin de ce test.